Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai tourné une vidéo juste avant. Je vais vous faire 56 hauls et j'ai encore pêché. Vous pouvez me dire tu es complètement taré dans les commentaires si vous voulez. Voilà, mais bon, vous adorez les hauls donc je sais qu'en vrai ça vous dérange pas trop. Voilà, du coup je vais renvoyer comme je vous l'avais dit trois articles que j'avais achetés du coup dans mes hauls que je vous avais montré juste avant. Il y a trois articles que je renvoie, je crois que c'est ça, trois articles. Soit parce que c'était transparent, soit parce que, enfin voilà, je ne mets pas forcément. Du coup je me suis dit que j'allais recommander sur Boohoo en attendant de renvoyer les autres articles. Voilà, du coup j'ai recraqué. Je ne me félicite pas, non, et vous ne me félicitez pas non plus. Après ça, je pense réellement me calmer. Voilà, je pense que je vais aller me faire soigner en sachant que j'avais décidé d'arrêter d'acheter des choses comme ça sans réfléchir. Et je l'ai fait pendant très longtemps, j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois. Et là, je sais pas, c'est le confinement, comme je disais, qui me monte complètement la tête. Donc on va ouvrir ça ensemble, j'ai pris des maillots de bain là cette fois-ci et je ne sais plus ce que j'ai pris d'autre. Je ne me rappelle pas. On va aller regarder ça ensemble. Et en fait, j'ai complètement oublié de te dire, si tu n'as pas regardé mes autres hauls, c'est possible. N'hésite pas à aller les voir, je te les mets dans le petit i, j'en ai fait deux autres, oui. Deux gros hauls, surtout un qui est énorme où je te présente 19 articles de chez vous. Voilà, donc tu as de quoi faire, tu as de quoi t'occuper pendant le confinement. Voilà, et donc il y a deux hauls comme ça, et j'aurais mis aussi avant un haul Pretty Little Thing où je teste du coup la marque, donc n'hésite pas à aller regarder aussi, je te mets ça dans le petit i. Alors bon, il y a les maillots de bain tout ça, mais je vais tester ça en dernier. Du coup, j'ai pris deux maillots de bain, j'ai pris un une pièce, un deux pièces, j'ai pris un top et j'ai pris cette chemise dont je rêvais depuis à peu près 100 ans. Je rêve de l'avoir dans toutes les couleurs, mais il fallait bien que je choisisse et elle était grave en promotion. Là, je crois que j'ai pris que des trucs encore une fois qui étaient en promotion. Je vais te dire tous les prix au fur et à mesure, les tailles comme d'habitude. Je te le redis, je fais 1m56, donc je suis petite. Voilà, comme ça, si tu veux te référer un peu à ma taille, je fais 1m56. Bon, comme vous pouvez peut-être le voir là, si vous voyez sa queue, je vais l'ouvrir à Sam. Parce qu'il n'était pas content, il voulait que je l'ouvre. Et en même temps, je vais aller chercher un petit verre de Coca parce que je crevais de soif et je le méritais bien. Oui, d'ailleurs, si vous voyez l'étiquette qui dépasse encore sur le top, parce que j'ai fait du coup mon haul Pretty Little Thing juste avant, donc c'est le dernier top que j'ai essayé. Donc il y a encore l'étiquette, voilà. Juste pour vous dire, ne soyez pas surpris en vous disant mais t'as encore l'étiquette de ton top, c'est normal. Donc en premier, j'ai pris cette chemise absolument sublime et on va l'entendre piétiner, le petit trou de balle. On va jamais s'en sortir. Il a envie de jouer le pauvre petit cœur. Ce que j'en pense déjà, en fait c'est une chemise veste. C'est-à-dire que c'est très épais, c'est pas comme une chemise classique. On peut voir qu'ils sont assez fines. C'est vraiment une chemise veste. D'ailleurs, je trouve qu'ils appellent ça une veste. Hein. Elle est hyper épaisse, elle est très très belle. Donc je l'ai prise avec ce bleu pastel parce que en ce moment je suis fan de cette couleur. Sinon elle existait aussi en lilas, un peu marron beige, je crois que c'est tout et j'ai grave hésité avec le lilas et je pense que j'achèterai très certainement un de ces jours, mais elle coûte quand même assez cher même si elle était en promotion puisque ça coûte 36 €. Comme je dis, c'est mi-veste mi-chemise donc c'est quand même une matière très épaisse. Là elle est en promotion à 36 € donc j'ai foncé parce que très très souvent elles sont plus dans les 45 voire 50 voire encore plus cher. Là j'ai foncé. J'ai pris, je trouvais trop trop belle. Et il y avait ma taille, donc j'ai pris 36, voilà. Donc à l'intérieur, elle est comme ceci. C'est une matière plus veste, on va dire. Et là, c'est une matière moumoute, toute douce. Donc il y a une petite ceinture, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a déposé là sur mon bras. Bon, comment vous dire, j'aime trop. Voilà, j'adore. Il faut que j'arrête avec mes tops bizarres comme ça. Je la trouve trop trop belle. Alors par contre, ce n'est pas blanc, hein, ici. Je ne sais pas comment vous voyez, c'est plus crème, c'est plus blanc cassé que blanc, hein, voilà. Elle est très très belle, donc honnêtement vous pouvez la porter avec ou sans ceinture, mais c'est juste que ça donne un petit style. Si jamais en fait voilà, on veut la fermer comme ça, ça peut donner un autre style qui peut être sympa aussi. Moi j'avoue que je préfère ouvert comme ça. Après voilà, est-ce que je laisserai la ceinture, est-ce que j'enlèverai la ceinture? Je pense honnêtement que je la porterai plus
soit la ceinture qu'avec, parce que si je garde ouvert comme ça, avec la ceinture qui tombe, c'est pas forcément joli. Après voilà, je pense que ça peut être vraiment très sympa effectivement, porter un peu différemment avec le petit nœud qui est fait. Mais moi j'aimais vraiment, voilà, je m'étais dit que je porterais justement un crop top avec, après on peut porter un petit haut, tout à fait normal, mais là je trouve ça très joli d'ailleurs avec cette tenue là. J'aime beaucoup trop, donc la matière est top, elle tient chaud. En plus j'ai un t-shirt à manches longues en dessous, même si il est crop top, il a manches longues donc j'ai chaud au bras. Le bouton c'est très fin, ça fait très joli aussi. Il y a deux petites poches, alors je sais pas si c'est... Oui, ce sont des vraies poches. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, je la trouve ultra canon. Et du coup, donc j'ai pris en 36 et je vous dis tout de suite le prix. Voilà, je n'ai pas dit de bêtises, effectivement. Elle était à 36€ en promotion et comme je vous dis, elle existait en plusieurs couleurs. Donc vraiment cool. Ensuite, du coup, je vous montre le petit top que j'ai pris. Et ensuite, je vais vous montrer du coup les deux maillots de bain que j'ai pris qui sont trop beaux. J'espère qu'ils vont m'aller, je croise les doigts. Donc j'ai pris ce top, comme vous voyez, j'aime beaucoup les couleurs pastel en ce moment, j'adore, je suis ultra fan. Et j'essaye d'acheter des trucs un peu, j'allais dire, qui sont pas noirs, mais ça fait partie de ma dernière commande, et c'est noir, mais il faut bien aussi du noir, hein, ça va avec tout, voilà, bien des trucs classiques. Donc du coup j'ai pris ce top qui est aussi forcément un peu crop, comme vous pouvez le voir, il est ultra beau, donc il est couleur... lila, je sais pas comment ils disent ça eux. Ouais c'est ça, ils disent lila, parce que c'est clairement une couleur lila, hein. De toute façon j'aurais dit cette couleur. Donc là il y a, en fait je pense qu'on peut le porter, c'est peut-être un peu descendu sur les épaules, mais normalement ça se porte sur les épaules, avec les manches un peu bouffantes, toutes froncées comme ça, très très jolie. Il est basique, il est élastique, donc ça c'est très très bien. Je sais plus en quelle taille je l'ai pris en 36, encore une fois. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, il est très joli, donc c'est une matière crêpe. Voilà, j'aime beaucoup cette matière. Donc je vais essayer ça tout de suite, en plus ça va aller très bien avec mon pantalon. Donc j'essaye ça et je vous montre. Bon, je suis hyper déçue parce que je pense que je vais le renvoyer tout simplement parce que j'aurais dû le prendre en 38. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça m'écrase complètement en fait la poitrine. Par contre ce qui est super bien c'est que c'est doublé en fait en dessous, donc c'est ça qui fait aussi que c'est pas du tout transparent au niveau de la poitrine. Ouais ça m'écrase trop en fait au niveau des seins et là ouais, je suis un petit peu serrée du coup. Au niveau du dessous de bras là, je sais pas pourquoi du côté droit d'ailleurs plus que du côté gauche, je suis un peu serrée. En plus c'est l'effet aussi, l'effet crêpe en fait, la matière crêpe c'est souvent ça, si c'est pas notre taille bah, ça nous serre un petit peu. Je le trouve ultra beau donc je suis vraiment dégoûtée, j'aurais dû le prendre en 38 si jamais il existait en 38. Je suis deg parce que voilà, il est vraiment beau, la matière, la qualité est ouf, vraiment elle est top. La couleur est trop belle, en plus j'adore cette couleur lila comme ça, je trouve ça magnifique. Donc tant pis, je suis dégoûtée, mais bon, donc en plus j'avais vraiment pas payé cher, je l'ai payé 11€. J'ai payé 11€, taille 36. Donc je suis dégoûtée. C'est comme ça. J'espère que les deux autres vont m'aller. Parce que celui-ci, bah, je pense que. Eh bien, qu'il va faire demi-tour, hein, tout simplement. Confinement, bah pareil, voilà, ça va être comme les trois autres trucs. Je vais devoir renvoyer. Voilà, tant pis, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, parce que je le trouve vraiment très très joli, sinon, mais j'aurais dû prendre bah, une taille au-dessus. Voilà, à cause de ma poitrine, c'est comme ça. J'étais bête, mais voilà. Bon, ensuite, on va essayer les maillots de bain. Ils sont assez échancrés, donc je pense que je vous montrerai que de devant, enfin, on verra bien. Du coup, j'ai pris une pièce, donc ça va être le premier une pièce que j'ai de toute ma life, en espérant qu'il maille pour une fois, qu'une pièce maille, parce que très souvent, vu que j'ai de la poitrine, justement, bah, je suis obligée de prendre une taille au-dessus, et parce que sinon, en fait, ça me serre en bas. Genre ça me remonte, c'est pas du tout joli. Donc là j'ai pris en 38 en espérant que ça m'aille. Je sais que si j'avais pris du 40, genre ça aurait été beaucoup trop grand et ça aurait pas été joli. Donc j'ai pris en 38, j'espère qu'il m'ira. Il est ultra beau, donc je l'ai pris en rouge. Il y a mon amie Juliette qui l'a acheté. Moi je l'avais repéré aussi. Et elle l'a acheté en noir et il est vraiment très très joli. Donc il y a un joli petit décolleté comme ça avec un petit croisé en fait devant. Et vraiment j'espère que mes seins vont pas complètement déborder. Mais bon après voilà ça va être un petit peu, ça va être assez sexy et il y a un donut et pour moi vraiment le fait d'avoir un donut sur une pièce ça fait tout parce que ça évite que ça fasse trop mamie et ça le rend tout de suite beaucoup plus sexy. Et puis pareil il y a des petits croisés du coup derrière et j'ai pris en rouge parce que j'ai envie de le prendre pour Pamela Anderson où est le problème, il y a un moment vous arrêtez de me juger. Voilà, par contre je vais l'essayer avec ma culotte en dessous hein, forcément, je fais toujours ça, voilà, du coup en plus il est même pas lavé et tout, même s'il y a une protection. Voilà,
Donc je vais tester ça, il est vraiment très très joli et j'espère qu'il va m'aller croiser les gants pour moi. Et du coup, pour celui-ci, je l'ai pris en 38. Le maillot de bain, je l'ai eu à 17€. Il était à moins 50%, je crois. Donc, pareil, c'est vraiment pas cher pour un maillot de bain, en espérant qu'il soit très bien. Faut que j'arrête de... Regardez, j'ai fait des fausses taches de rousseur, j'aime trop. Bref. Pourquoi ma vie est un fail constant? Non, mais en fait, quand il faut avoir des seins, j'en ai pas suffisamment. Et quand il faut ne pas avoir de seins, j'en ai trop. C'est quand même chiant. Je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que tout est en train de déborder. Je vais faire le moindre mouvement. Ça va se barrer. Oui, on voit ma queue comme je l'ai dit. J'essaie toujours de mettre bain avec une culotte en dessous. J'ai goûté parce qu'il est extrêmement beau, mais c'est pas possible en fait. Enfin, mes seins vont pas. Mais il est trop beau. Je suis dégoûtée. Franchement, j'ai grave flashé dessus. Le dos est extrêmement joli. Je vais vous montrer ça. Alors le dos. Des mouvements de tête. Le dos est extrêmement beau, franchement trop trop joli. Au niveau de l'écharpe en cuir, au niveau des fesses, c'est très joli aussi parce que c'est un peu tanga quoi. C'est pas tanga, c'est bien échancré quoi. On voit bien les fesses quand même. Donc il est très joli, mais mes seins, c'est sûr et certain, ils vont dire coucou quoi. Donc j'espère qu'on peut renvoyer les maillots de bain. Voilà, encore un tout que je vais renvoyer. Je suis dégoûtée. C'est vraiment trop beau, je vais pouvoir faire Pamela Anderson cet été. Je suis un peu choquée, déçue. J'espère vraiment que le dernier maillot de bain que je vais essayer, il va être très bien. Parce qu'il est extrêmement beau et je vais péter un câble sinon. Comment vous dire? Le prochain maillot de bain. Bon, j'ai essayé la culotte, elle me va. J'ai pris une 36, elle me va. Mais on est bien d'accord. Alors on va mettre les choses au clair, excusez-moi. Un maillot de bain, c'est censé être élastique. On est bien d'accord. Là... c'est à peine élastique. Je sais pas si vous arrivez à remarquer. Il y a quasiment aucune élasticité. Bon, je rentre dedans. C'est très très joli. Il est taille haute. Il est très très joli. Attendez, ne partez pas. Donc j'ai pris du 36 en bas. Parce que là, ce sont des ensembles qui sont séparés. Donc on peut prendre une taille différente pour le haut et pour le bas. Ce qui est complètement logique puisque tout le monde ne fait pas du 36 et du 36 en haut et en bas ou du 40, enfin bref. J'ai une plus grosse poitrine du coup, comme je vous ai dit. J'ai pris du 38. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas si vous allez réussir à voir. Je ne sais même pas. Voilà, je vais vous montrer par rapport à mes hanches, par rapport à... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Non mais j'arrive même pas à... Je sais même pas si ça se voit. Mais c'est taille 6 ans. Je déconne pas. C'est juste élastique un peu en haut. Mais en bas, c'est un élastique en fait qui est extrêmement dur. Donc, c'est pas possible. Je ne peux pas passer là-dedans. Je peux rien mettre. Je vais vous montrer. Ça c'est... Sans déconner. Qu'est-ce que vous voulez que je passe là-dedans? C'est impossible. Et c'est du 38, hein. C'est du 38, parce que j'ai bien revérifié sur l'étiquette, je me suis dit c'est pas possible. Ils sont bourrés, ils m'ont mis du 32, quelque chose comme ça, et encore, je me dis putain, c'est hyper petit. Je me suis dit ça doit être du 32. Je regarde, je vois quoi? C'est bien du 38. Mais à quel moment c'est du 38? Quand c'est du 38, mais que c'est bien élastique et tout, et que voilà, c'est très stretch et tout. Mais là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais non, là c'est abusé par contre. Là, je trouve ça vraiment abusé pour... Enfin, je sais pas, je suis un peu choquée. Bon, bah, moi qui voulais de nouveaux maillots de bain pour cet été, je sens que je vais retourner encore une fois sur Shein. Du coup, bah, il y a un seul unique article, en fait, que je garde de cette commande. C'est la chemise. Sinon, les deux maillots de bain, bah, ça va repartir. Et le petit top lila va repartir. Donc voilà, c'était clairement la commande Boohoo fail. Heureusement, j'ai été quand même grave satisfaite des deux autres. Parce que bon, je renvoie que trois articles sur tous les articles que j'avais achetés. Donc c'était vraiment peu. Je vais avoir pas mal de trucs à renvoyer après le confinement. Ça va être cool. Voilà, donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense, j'allais dire jamais, mais je pense quand même que je ne recommanderai plus de maillot de bain sur le site de Boohoo parce que je suis très déçue. Je me dis, attendez, je prends du 38, c'est taille 32, je vais prendre du 40, là ça va peut-être être du 36, on sait pas. Bref, voilà, je suis clairement dégoûtée. Tant pis, parce qu'en plus c'était archi beau, vous voyez la couleur, bah voilà, c'est lilas, comme je l'ai dit, je suis ultra fan.
Tant pis, voilà, je sais même pas comment la nana elle fait pour rentrer dedans en vrai sur le truc ou je sais pas. Ou elle porte peut-être du 40 au lieu de la taille qu'elle est censée faire, je sais pas. Bref, du coup dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ces articles. Bon, le top en soi lila, il est très 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 beau, c'est juste que voilà, c'est moi j'aurais dû prendre une taille au-dessus, tant pis. Il était très serré. La chemise elle est vraiment canon. Petit X c'est que faire ses poils, mais sinon elle est très très belle. Et puis voilà, le maillot de bain, tant pis. Après, bah, Juliette, elle, mon amie, qui a acheté en noir, bah, il est très bien sur elle. Après, elle a une plus petite poitrine que moi, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est mieux. Donc tant pis. Du coup, dites-moi en commentaire quel article que vous avez préféré. Si vous avez bien aimé ou pas bah, le maillot de bain rouge et le top, etc. Et malheureusement, le maillot de bain lila, je peux pas vous le montrer porté. Je vous le montrerai porté sur la nana. Je suis ultra déçue. Voilà. Donc tant pis, ça va s'appeler clairement le haul fail, mais bon, voilà. J'espère que la prochaine fois ce sera bien. J'ai trop envie pour la prochaine fois, pour mon prochain haul, de tester genre Misguided ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je teste comme boutique. Bien sûr, pas des boutiques trop cheloues. Si vous avez envie de regarder, j'ai plein d'autres hauls sur ma chaîne, donc voilà, vous avez de quoi faire. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! You make me move.